gens, c'est Rico, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo d'une série que je vais appeler Tout savoir sur World War 2. Cette vidéo est spéciale QG, il y en aura deux, là c'est la première. Alors tout d'abord, on spawn ici dans notre QG, qu'on peut venir quand on clique sur option en attendant les games en cours. Alors tout d'abord, il y a le courrier, où on récupère des crédits d'armurerie, il y en a 100 toutes les 4 heures. Ensuite, il y a l'intendante. L'intendante, on va dans contrat et avec les crédits d'armurerie, on peut payer des contrats pour avoir des largages de ravitaillement. Il y a aussi la partie collection où, par exemple, pour avoir le skin épique Linfield, il faut débloquer ce skin, coupe-gorge, tir dans la tête, casse-cou, merci mon pote lors du thé pour l'arène. Alors, on peut débloquer ça, mais ça coûte extrêmement cher en crédit d'armurerie. Ou sinon, on peut ouvrir des largages de ravitaillement qu'on obtient soit en utilisant les contrats, soit en allant aller, soit quand on va voir le Major Howard qui nous donne 6 missions qui durent 24 heures, 3 missions qui durent 7 jours et une mission qui est constante, enfin qui est pas constante mais qui dure assez longtemps. Du coup, le Major Howard sert à nous donner des missions pour récupérer soit des crédits d'armurerie, soit des largages, soit de l'XP pendant 20 minutes environ. Du coup voilà, là si on veut amener des amis, et il y a un petit classement, voilà, des membres du quartier général, et c'est plutôt bien. Ensuite il y a là, si on clique sur ce monsieur, il faut être prestige, c'est-à-dire level 55 je crois, pour arriver dans cette zone. Et il y a aussi le prestige de division, qui est tout nouveau. Alors le prestige de division, il y a 5 divisions là. Par exemple, si on veut, si on passe prestige, enfin niveau 4 de cette division, on peut passer prestige 1. Ensuite, il faut repasser niveau 4 prestige 1 pour accéder au prestige 2. Par contre, je sais pas, il y a combien de prestige par division, ça, j'en ai aucune idée. Du coup, voilà. Et également, on peut voir les avions, franchement, voler, enfin c'est incroyable. Au niveau des graphismes, ils ont fait le boulot. Alors, il y a également le cinéma, on peut voir des cinématiques. Bon, franchement, ça me sert pas énormément, mais voilà, il y a le cinéma qui explique comment fonctionne le jeu. Voilà. Il y a les 5 divisions là, comme d'hab, avec le petit classement. On va pas aller voir cette partie, car je réserverai pour la deuxième sur le quartier général, une deuxième vidéo, tout savoir sur World War 2, spécial QG2, je la ferai avec l'autre côté. Ensuite, on a un champ de tir où on peut observer par exemple l'arme, tirer dans des cibles, hop, qui nous. Voilà, tirer là, tirer là, tirer là-haut, enfin il y a des cibles partout, c'est incroyable. Hein. Franchement, le champ de tir, ça c'est plutôt bueno et c'est plutôt pas mal. Genre pour voir l'arme, comment elle est, quelle est sa cadence de tir, la prendre un peu en main pendant qu'on attend qu'une partie se charge, franchement ça nous aide énormément. Du coup voilà, c'était tout pour la vidéo Tout savoir sur World War 2 spécial QG, la première vidéo sur le QG. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un commentaire en bas de la vidéo, à regarder la description, me suivre sur Snapchat, ce qui est Reiko YouTube, mais bref, elle sera en description. C'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis une prochaine fois. Allez, salut. I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why.